je t'attends encore, même si je m'étais promis de pas le faire. Je passe beaucoup trop de temps à me faire des histoires. Je m'ennuie encore, puis de la façon qu'on s'en sert. Mais c'est plus fort que moi encore ce soir, je t'espère. Et toi tu viens et tu vas comme bon te semble. Je te retiens pas, je sais déjà qu'on finit pas ensemble. Et toi tu viens et tu vas comme bon te semble. Je te retiens pas parce que je le sais déjà qu'on finit pas ensemble. Je compte les jours puis je compte les heures qui se parlent, les fois où tu me donnes des nouvelles. J'aimerais tellement m'aimer assez pour être capable d'ignorer tes appels. Mais je me mens, je me fais croire que si tu reviens ce soir, je me pendrai pas à tes lèvres de peur que tu partes quand le soleil se lève. Et toi tu viens et tu vas comme bon te semble. Je te retiens pas, je sais déjà qu'on finit pas ensemble. Et toi tu viens et tu vas comme bon te semble. Je te retiens pas parce que je le sais déjà qu'on finit pas ensemble. Et si je te rejoins, tu t'en iras à contre-sens. Dis-moi pourquoi quand tu t'en vas, mon appartement tremble. Et si je te retiens, tu m'en iras me laissant ensemble. Dis-moi pourquoi je suis encore là, seul ici à t'attendre. Mais toi tu viens et tu vas comme bon te semble. Je te retiens pas, je sais déjà qu'on finit pas ensemble. Et toi tu viens et tu vas comme bon te semble. Je te retiens pas parce que je sais déjà qu'on finit pas ensemble. Comme avant, avant que je t'aime puis qu'on se perde, avant que la vie ne soit trop chienne, reste, reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi, toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil. Pareil, pareil, c'est toujours pareil avec la peine. Tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. Ce sera comme des enfants qui se souviennent. Par, par où ton cœur va bien. Par, mais surtout reviens. Poser ta main sur la mienne. On ira danser la valse des peines. Rien n'est fini entre nous. J'ai la force d'un fou. Et que crève ce diable que tu aimes. Il ne sait rien de ce que tu es. Pareil, pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace où s'y habitue. Le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. Ce sera comme des enfants qui se souviennent. Pareil, pareil, pareil. Y aura plus de peine à ton réveil. Et si c'était moi, la magie.
qui guérit les enfants qui se souviennent. Je me demande parfois que serait ma vie sans que mon nom rime avec jalousie. Je déteste ne croire qu'en ce qui me blesse. J'écris blanc sur noir avec un sourire, crache ma douleur, je la déshabille, je me refais de mille étoiles jusqu'à ce qu'il n'y a rien qui ne brille pas. Mes couleurs se voient jusque dans le ciel, et quand elles s'enlèvent, je me crie, je t'aime, je dis à demain, pas au revoir. Je reconnais plus mon désespoir. J'écris blanc sur noir.
Bonsoir et bienvenue à Cégep en spectacle, une présentation de Desjardins en collaboration avec Québécois et une production du RIASC, le réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. Cet événement est également rendu possible grâce à la contribution du gouvernement du Québec, de l'UQAM, de Télé-Québec, la Fabrique culturelle, de la Fédération des Cégeps et de nombreux autres partenaires que nous tenons aussi à remercier. On vous invite à vous installer confortablement dans vos sièges, à bien fermer vos téléphones, ranger vos appareils photo et profiter pleinement du talent des artistes de ce soir. Bon. À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur. On le crée. Afin de diversifier la forêt urbaine, nos chercheurs ont produit une carte interactive pour mieux aménager le territoire. Pour diminuer notre empreinte écologique, nos étudiants conçoivent de nouveaux emballages créatifs et éco-responsables. Et pour s'adapter au changement climatique, nos équipes élaborent le premier simulateur de climat à très haute précision au Canada. Quand on veut protéger la planète, c'est à l'UQAM que tout devient possible. UQAM, au centre de tout. L'adolescence, elle a été la période la plus difficile. Je me sens comme dans un no man's land où est-ce que je peux pas m'ancrer nulle part. Mammouth Hebdo est sur ton sel. La fameuse question, tu viens d'où? Comment tout le monde est allé l'entendre? Mammouth Hebdo sur mammouth.télé-québec.tv. Bonsoir et bienvenue. Mesdames et messieurs, partenaires et amis, chers invités, bonsoir. Je me présente, Édouard Lamontagne. Et j'aurai l'honneur d'être votre maître de cérémonie pour la finale régionale de Cégep en spectacle. Mais d'abord, qu'est-ce que Cégep en spectacle? Eh bien, rappelons qu'il s'agit d'un concours en trois étapes. D'abord, ce sont 54 cégeps et collèges qui ont tenu leur finale locale. Au total, c'est près de 1000 étudiants et étudiantes qui auront eu la chance de monter sur scène. Chaque spectacle a couronné un numéro gagnant, lui donnant ainsi accès à l'une des finales régionales. Le 9 mars dernier, se déroulait la première finale régionale de Cégep en spectacle, à Jonquière. Et ce soir, les quatre autres se déroulent toutes en même temps. À Lionel Groux, Sorel, Aountic, nous vous saluons d'ailleurs, et bien évidemment, ici même à Thetford. Chaque spectacle, encore une fois, consacrera deux numéros gagnants. Les 10 finalistes se rencontreront finalement lors de la finale nationale de Cégep en spectacle qui se tiendra le 27 avril prochain à Rimouski. Cette finale sera d'ailleurs diffusée sur le web
gratuitement. Nous vous invitons donc à suivre la page Facebook et Instagram du RIASC afin de vous assurer de ne rien manquer. Sur ce, pour bien commencer les festivités, j'invite sur scène M. Francesco Côté, conseiller à la vie étudiante au Cégep de Thetford, qui sera accompagné de M. Maxime Turcotte, délégué du RIASC. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Thetford, ça va bien? Yes! Hey, ça me fait plaisir de représenter le Cégep ce soir, être le porte-parole officiel. On est vraiment heureux de vous accueillir ici. Merci de vous être déplacé dans cette belle journée ensoleillée et clémente. C'est vraiment apprécié. Permettez-moi tout d'abord de remercier tous les partenaires qui sont avec nous ce soir. On peut les applaudir. Le maire, les élus, parents et amis, mes collègues au Cégep, mes collègues aussi des autres Cégeps, le RIASC et nos jurys qui sont avec nous ce soir. Je ne suis pas là pour prendre trop de votre temps. Bien évidemment, ce soir, c'est un spectacle haut en couleur qui vous attend. Les participants sont très fébriles ce soir. Ils sont juste à côté, donc n'hésitez pas à les applaudir et faire du bruit. Maintenant, on peut déjà leur faire sentir. Donc, bon spectacle. Je cède maintenant la parole à Maxime Turcotte, représentant du RIASC. Bonsoir, Thetford! Vous voyez, évidemment, avec l'accent, vous comprenez que je viens d'ici. Mais ce soir, je ne suis pas là pour représenter Thetford, mais je suis là pour représenter le RIASC en leur nom. Donc, merci, cher public, d'être avec nous ce soir pour cette finale régionale de Cégep en spectacle. Ce soir, on est là pour célébrer la créativité, le talent, la passion, et c'est ça que les artistes vont vous livrer sur scène ce soir. On est là pour célébrer le fruit du travail qui se reflète par des heures de répétition, des moments d'euphorie, de doute, d'angoisse et qui finit souvent en satisfaction, en fierté. Et s'il y a un mot d'ailleurs que j'aimerais partager aux artistes en coulisses présentement et en arrière-scène, s'il y a quelque chose avec laquelle vous pouvez être fiers de repartir, qui pourrait repartir de plus beau ce soir, c'est justement cette fierté-là, d'être fier de soi. Je pense que c'est le plus beau des cadeaux que vous pourriez vous offrir. Cégep en spectacle, c'est organisé par le RIASC. Le RIASC, c'est l'acronyme pour tout le monde ensemble, le Réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. OK, ça se passait bien là, beaucoup moins bien là. Fait qu'on va retravailler ça. Qu'est-ce que le RIASC? C'est une très bonne question. Cégep en spectacle, ça fait partie des activités, mais le RIASC offre aussi beaucoup d'autres activités, que ce soit, là, entre autres, l'interco théâtre, de danse. On touche beaucoup de domaines. On pense aussi à tout ce qui est littérature, impro aussi. On est là pour faire briller nos jeunes, reconnaître leurs talents, leur permettre de triper leur cégep. Le RIASC, c'est vraiment autour de ça. J'aimerais prendre le temps de dire à toutes les personnes en coulisses, à tous nos artistes, sachez que ce soir, on est déjà fiers de vous et on vous lève notre chapeau, parce que ce que vous allez présenter ce soir, au-delà de la performance, vous allez offrir une partie de vous, une partie de votre vulnérabilité, ça c'est beau et c'est inspirant. Sachez-le. Pour terminer, j'aimerais prendre le temps de remercier évidemment notre collège hôte, donc le cégep de Thetford, et tous les bénévoles, les responsables, particulièrement notre ami Francesco Côté. Clairement, tes compétences dans l'événementiel ont aidé. Et maintenant, place au spectacle. Je vous invite à avoir un tonnerre d'applaudissements pour tous nos artistes pour cette finale régionale de Cégep en spectacle. Finaliste, si vous accédez à la finale de ce soir, votre défi consistera à réussir à survivre à l'expérience Thetford. Vous serez perdu dans la forêt minière, laissé à vous-même au bout de l'impitoyable Route 112. Votre mission d'animation: survivre et retrouver un semblant de civilisation
en affrontant vos bibites intérieures à travers 8 épreuves. Samuel Bisson. Vous tiendrez le rôle de ours, chasseur végétaliste, gardien de la nature holistique. Joliane Couture. Vous serez Nina, simplement et tellement Nina, instagrammeuse, influenceuse certifiée platine, sévissant sur toutes les plateformes, en quête de votre milliardième abonné. Michael Dulac. Vous serez junior, statisticien émérite du Centre de la surveillance appliquée en statistique quantique. Et Marie-Lou Bilodeau. Vous tiendrez finalement le rôle de Luce, réserviste des forces canadiennes en permission, fiancée de Junior, le statisticien quantique. Animateur, animatrice, félicitations. Il est maintenant temps d'ouvrir vos valises, de prendre connaissance de vos textes, d'aller enfiler vos costumes de personnages et de vous préparer pour la toute première épreuve. Vous avez une nuit pour vous sortir de ce trou perdu. Pis où, hein? Les autres, hein? Mes gangs de chanceux. C'est le temps de vous reconvertir au décor et accessoires. Allez-y! Ah ouais, il y a un show à faire. Go, go, go! Show must go on, baby! Dans les disciplines chant et musique, catégorie interprétation, voici Marine et Émile du Collège Notre-Dame de Foix. Bonsoir, tête forte, est-ce que ça va bien? Ah oui, plus fort, plus fort, plus fort! C'est le fun d'entendre ça. On est très heureux d'être ici pour briser la glace dans ce premier numéro. Moi, là, je m'appelle Marine. Je suis une grande, grande fan de comédie musicale. Mon plus grand rêve, ça serait d'être sur Broadway un jour. Donc, j'ai décidé de me lancer un défi en interprétant La Folie. Donc, voici le Parc Belmont. Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour qu'on m'enferme ici pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Il y a des jours où j'oublie qui
qui je suis et où je suis. Moi j'étais comme tout le monde. Je vivais ma folie doucement sans faire de bruit. Je faisais pas mal au monde. J'avais le droit aussi de vouloir lâcher mon cri. Quand j'étais enfant, je voulais toujours qu'on m'emmène au parc Belmont. Pour moi, c'était ça la vie. C'était la fête. C'était beau comme dans ma tête. Mais j'ai grandi, j'ai connu la vie. Et j'ai choisi d'habiter le monde de mon imagination. Quand je veux faire peur au monde, il y a des jours où je crie jusqu'à ce qu'on me On va commencer simple avec celle-là. Deux armes, puis un col d'orignal. Go! Épreuve numéro 1. Finaliste, présentez-vous. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde! Je viens d'arriver à ma petite retraite spa. Une belle fin de semaine en nature pour se ressourcer. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est tellement de pression, les réseaux sociaux. Ah ouais! Arrête de te trouver des excuses. Là, tu vas venir avec moi dans le bois, tu vas passer du temps avec moi, puis tu vas devenir un vrai homme. 70% du temps, les hommes meurent en chassant le lièvre ou harpon. Les vrais hommes, là, ils meurent pas en chassant le lièvre ou harpon. Lâche ton livre de statistiques, puis admire la nature. Allô? Moi, c'est Nina. Si vous pouviez faire comme tout le monde et vous abonner à mes comptes, ça me donnerait mon milliard d'abonnés. Puis pour célébrer ça, on pourrait faire un petit live en vrai avec vous deux? Oh, statistique asymptotique évolutive, parfaite. Moi, c'est Junior et voici ma compagne, Luce. Luc, avec un E, je précise. Puis toi, là, que je te vois y a commencé à draguer la Barbie. Ben voyons, je nous présentais. Tu le sais que les autres femmes m'intéressent autant qu'une marge d'erreur de moins de 1% 19 fois sur 20.
Oh là là, c'est affreux. Je l'ai trouvée toute seule, si jeune et sans sa mère. T'es qui, toi? Ours, votre guide de survie végétaliste. Mais c'est pas ça l'important. C'est elle. Je suis là, ma petite. Bien que la science prouve que les végétaux sont des êtres vivants, la statistique quantique reste muette sur leur pourcentage avéré de conscience. Hein? Il veut dire, là, qu'une bûche, ça n'a pas bien ben l'habitude de comprendre le parler des humains. Allô, guide ours! Moi, c'est Nina. Je trouve ça tellement wow, ta relation avec la nature. Ça va faire un live de 6 sur la story de mes reels. Mais pour ma suite, c'est pas Platinum 5 étoiles. C'est par où? Faudrait que je me recharge. C'est quoi ça? Notre souper! Dans la discipline théâtre, catégorie création, voici Rachel Dallaire du Cégep Beauce-Appalaches. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, la compagnie! Je m'en vais vous conter la légende du Caracas à casse. Un Caracas à casse, ça ressemble à un Yeti. Ça siffle comme un siffleux. Puis ça a un casque. Puis c'est dangereux! On raconte que la seule manière de s'en débarrasser, c'est d'y ôter son casque. L'action se passe en Beauce, à l'époque des gens et noirs, en plein hiver. Il y avait un gars qui s'appelait Fortunat Heureux. Lui, c'était pas le pingouin qui glissait le plus loin. Il parlait tout le temps d'innover. Il y a rien qui marchait. Hey, tout le monde! Étant donné qu'il y a pas mal de démunis par ici, j'ai inventé la guignolée. Regardez. Bonjour, maître et la maîtresse et tous les gens de la maison. En ce temps de l'année, la guignolée, vous nous devez. On va tout ramasser, sauf les gros électroménagers. Blanc! Hey, j'ai pas fini! Je pense bien, le monde était plus capable! Et j'osais même de l'envoyer ailleurs! Dans un trou perdu comme. Ha! Saint-Alfred! Ce village-là, il était bâti en haut! De la côte de l'hôpital! Une méchante côte. Le monde appelait ça de même parce que tous ceux qui avaient essayé de la descendre en traîneau avaient fini à l'hôpital. En plus, dans la côte, il y avait une forêt. Puis dans la forêt, il y avait un caracas à caisse. Oh, personne ne l'avait jamais vu. Mais tout le monde savait qu'il était là. Fait que généralement, ceux qui réussissaient à monter... Elle redescendait plus. Moi, passer la guignolée à Saint-Alfred. Ben oui, je vais déjà aller. Merci de votre confiance. Puis arrivé au pied de la côte, Fortunat s'est fait barrer le chemin par trois quêteux. Nous sommes les trois quêteux. Un petit, un jeune et un vieux. Nous aimons bien chanter, manger, respecter. Donnez, donnez-nous des sous. Sinon, vous aurez non pour chavez le roi. Yeah. Fortunat, il n'a pas eu le choix.
Ka-ching, ka-ching, ka-ching! Mais pour le remercier, les quêteux ont tout donné un petit quelque chose. Le petit quêteux, il a donné un beau bout de broche. Le jeune quêteux, il a donné une ceinture fléchée d'urgence. Puis le vieux quêteux, lui, il a donné une espèce de... un traîneau magique à rouler. Puis là, Fortuna est partie. Ah! Oh! Oh, c'est un écureux! Ah! Ah! Ouh, 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 ah! Ouh, 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 ouh! Ah, hein, ça là, c'est le djibou. Ah, un djibou. Hein, hein, ah! Hein, 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 ah! Hein, hein, hein! Un canard! Parce qu'en plus, il faisait un froid de canard! Hein, 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 hein! Tout à coup, le silence est tombé sur la forêt. Ah! Ah! Oh! Fortuna a attaché sa tuque avec la broche. Et puis là! Ça ressemble à un yeti, ça sifflait comme un siffleur. Puis ça l'avait un caisse. Fortuna s'est tout de suite mis à courir. Mais le caracas se casse, il courait après. Alors, pour y barrer le chemin, Fortuna a pris sa ceinture fléchée d'urgence. Puis l'a attaché en travers de deux arbres. Oh non! Pas un détour! Ah! À moins que je passe un tour! Puis en se penchant pour contourner la signalisation, le caracas à casse s'est entêté dans la ceinture fléchée! Puis son casse, il est tombé! Ah! Puis Fortuna, il s'est sauvé à Saint-Alfred! Oh! Sauf qu'il s'est fait revirer de bord. Mais voyons donc, depuis quand ça prend un permis de travail pour travailler? C'est donc ben dole! Bon, ben si je me dépêche, je dois peut-être arriver chez nous pour souper. Hein? Oh! Hey, chez nous pour souper? Un traîneau! Oh! 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 Ben, crazy, crazy pas! La carpette a briqué! Oh! Oh! Traite devant la ceinture fléchée! Oh! En dessous! Fortuna a trouvé... elle casse! Puis il a senti comme si quelqu'un lui parlait! Dans le casse! À son retour au village, le monde des yeux était encore plus bizarre qu'il y était auparavant. Mais Fortuna n'a pas bandré avec ça! Il s'est tout de suite mis à chedevrer plein de projets! Un moulin à scie. Gros pis. Oh! Une manufacture de souliers. Une boulangerie de petits gâteaux. Hey! On essaie-tu une usine de porte de grange, là, mais comme coulissante. L'innovation pleuvait, puis la bosse s'est faite inonder de PME. PME! Ce soir-là,
Fortuna est peut-être pas arrivée à l'heure pour souper. Mais grâce au casse, du carincasse à casse, il est devenu le pingouin qui glisse un plus loin. Bon ben, même décor pour celle-là. Go! Dans l'épreuve précédente. C'est quoi ça? Notre souper! Épreuve numéro 2. Renforcez vos liens. Je reste pour monter le... Je reste pour vous protéger. Non, laissez. C'est personnel. Prends soin de ma bûche, mon jeune. Wow! Ça, c'est un mâle! Je vous ramène à souper. J'espère juste que c'est végétarien. Un orignal? Ben sûr que c'est végétarien! C'est pour ça que je pars le chasser. Ah! Oh, chasser comme dans « Allez, gentil, gentil cornu! » Ou c'est un peu plus loin? Non, chasser genre « Pau! » Miam, miam! Ben voyons! On peut pas faire ça en direct. Ça risquerait de le tuer. C'est vrai que 100% des orignaux rencontrés dans une assiette ont déjà connu la mort. En survie en forêt, ma belle, là, la mort, elle se fout pas mal des statistiques. Attends un peu. Comment ça, survie en forêt? C'est pas une fin de semaine, c'est pas une détente à laquelle je participe? Mais non. Non. Et le forfait Bichonne ta biche? C'est pas pour célébrer mon milliardième abonné? Non. Rassure-toi, 90% des gens qui vont en forêt se retrouvent dans le bois. Hey, tu rends pire. Mais ça n'a pas de bon sens. Hey, je me dépêche là, avant que l'orignal y blesse. Ou pire, qu'il mange d'autres plantes. Je reste pour monter le campement pour la nuit. Les disciplines chant et musique. Catégorie création. Voici le groupe Saint-Texas du cégep de l'Apocatière. Hey, on est-tu bien ici? Il avait raison de me dire de sortir dehors. J'habite tout seul dans mon 4,5. Pas bien, bien le choix, j'ai plus d'amis. Font toutes parties, chacun leur bord. Qu'est-ce qu'ils ont tout à chercher? Non, moi je suis perdue dans le quotidien. C'est peut-être pour ça que je file pas bien. La job, les cours, le style voisin, ça doit être ça le rêve américain. Et comment je fais comme étudiant pour apprendre tout ce qui est important quand mes profs se font remplacer par du hockey tout prêté? Je peux pas finir sans ambition. J'ai beau prendre des résolutions, mais tout ce que je mange porte même pas de nom. Et enfin, je peux saouler mon univers, mes pieds au sol, les yeux dans le verre. Aujourd'hui, c'est pareil comme hier. Une bière, un choc, je marche de travers, les souvenirs flous, la gueule à mer. Ça, je perds du temps libre, les oreilles filent, la musique trop forte.
populaire. Pour une pièce, si tu veux un jour laisser ta trace, mets-toi dans un saut en basse, passe-moi un crayon, il y a un efface, qu'on mette ma vie dans un podcast, que mes souvenirs les plus idiots, pas un exemple pour les ados. Mais rien n'a pas, comme un visage, j'attends rien qu'à l'écran des stats, quand je me regarde dans le miroir, je dis qu'il reste une rêve d'espoir. Pour ce jour, je cours encore, je veux pas de rapport à être encore, mon corps est fait, mais bon. Trouver la lumière, même s'il peut faire noir en ciboire. De sortir dehors. Hey les gars, venez prendre l'air! On te l'avait dit, hein? On est bien ici dehors à Thetford. Bon, là, une tour à deux pattes, un peu d'équilibre, puis un routeur au charbon. Go! Dans l'épreuve précédente. Hey, tu rampes, ça n'a pas de bon sens. Je me dépêche de chasser l'orignal avant qu'il blesse.
ou pire, qui mange d'autres plantes. Je reste pour monter le campement avant la nuit. Épreuve numéro 3. Retrouver le signal perdu. Voyons! Y a pas de réseau! Comment je vais faire pour publier mes stories sur Instagram? Normalement, avec mon forfait cellulaire, je suis censée pogner partout! Le vendeur du magasin m'a même dit qu'avec la 5G, je pognerai sur la Lune! Statistiquement, Ted Ford est pourtant situé dans une marge d'erreur acceptable de son éloignement lunaire. Ça veut dire quoi? Ben, qu'en plus d'être dans le bois, on est dans un trou. Ah! Oh. Ah, notre guide qui revient, t'as fait ça vite? Ben ouais, Rignal, il s'est mis à courir du reculon. Puis moi, je suis pas trop habile pour courir du reculon, fait que... Hey, je l'ai perdu de vue! Hey, merci pour ma bûche. Hey, c'est rien. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de réseau. Mes followers, ils vont se désabonner. Tant mieux s'il n'y a pas de 5G. Ça, là, c'est juste une autre affaire pour que les extraterrestres du gouvernement nous espionnent. Voyons, mon sucre d'orge. Ce que tu viens de dire a 76,45% de chances d'être considéré comme complotiste. Non, non. Je sais de quoi je parle. Je me sens servie, puis clairement quelqu'un de trop ici. Hey, je me sens pas bien, là. Il me faut ma dose de TikTok au plus vite. Mais voyons, Nina, j'en ai jamais eu d'internoc, moi, ici. Je regarde, je vais bien. T'appelles ça aller bien? Avez-vous vu les nouvelles? Le sondage de Stade Québec dit qu'il y a 56% de chances qu'on construise le quatrième lien avant le troisième. Où est-ce que tu as vu ça? Bien, sur www.j'ai-mon-portable-dans-les-mains-et-il-y-a-du-réseau.com. T'as du Wi-Fi? Ben ouais, ça pogne bien à côté de l'antenne. Oh, moi, je pensais que c'était un arbre. Un arbre? Que personne y touche! Non, non, personne. Dans les disciplines art-oratoire. Catégorie création. Voici Édile du cégep de Lévis. Faire le poids. Rien ni personne n'avait prévu que je naîtrais ainsi. Les barreaux de l'acide désoxyribonucléique ont usé de leurs hélices pour créer un hélicoptère. Entre chimère et malice, une espèce identitaire. Je suis un éléphant dont le cœur pèse une tonne de ne pas ressembler à un humain normal. À chaque tentative de m'insérer dans le moule, il s'écroule. Lorsque l'on possède de plus longues jambes, toutes nos erreurs prennent davantage d'importance. On tombe aussi de plus haut et les fourmis m'effraient de leur manigance. J'hésite à m'exprimer parce que je pourrais barrer. Si je vois trop haut, on pourrait me croire snob. Si mon regard se plante au sol, le vertige m'englobe.
suis un éléphant. Mille reflets à ce corps mien, pour ce nez infini qui m'offre un peu plus de recul, pour ma taille décalée des standards minimalistes, pour cette peau introuable malgré les regards inquisiteurs. Les conventions du ricanement lorsque la vie se fait cirque et le son des rires en canne aux os me font douter de qui est vraiment l'animal. Je suis un éléphant à tous les pachydermes de sentiments. Rappelez-vous que l'on peut toujours revenir à la charge. Je suis l'esprit triomphant, celui qui se souvient de l'oubli. Celui qui se trompe, mais qui apprend. Je suis cette chanson qui fait battre les grandes oreilles jusqu'à les transformer en ailes. Avant-garde. Regarde ce qu'ils aient à peine pour déchirer plutôt que trancher proprement les ailes. Le temps de souper, la peur au ventre qu'il n'y ait plus à rire, de perdre la vie, le neutre, la pluie, en un excès de zèle à vouloir trop plaire. À force de se dépasser, on reste en arrière de soi. Alors on ne sait plus à qui l'on a affaire. Et la chose qui avance, qui s'élance vers l'avant, cette figure de proue de bien-pensance, est prise à un masque de marbre, toujours sur le qui-vive, en perspective du coup de circuit où il faudra courir jusqu'à son dernier souffle. Ce visage de héros statufié montre en réalité un enfant poussé à bout qui se cache. A toujours accommodé, souhaiter sortir de soi pour l'altérité, se limer la peau pour se conformer à leurs idéaux. À désirer innover, franchir ses limites, se surpasser. Je ne sais pas. On ne se souvient plus de qui est à l'avant. Les connaissances.
J'en connais que nous connaissions. Maintenant parti ailleurs dans une valise. Ou d'un coup de vent, de flammes, de vagues dans ce fleuve de cendres. Tournesol dans chaque œil du policier qui s'éteint soudain parmi le son du silence sans appel. Son revolver sur la tempe et un déclic implacable. Sa famille que je connais s'en souvient. Détonation dans les bois, celle du chasseur qui n'apercevait nulle autre proie que lui-même. Un prédateur s'est reconnu gibier, son fils que je connais s'en souvient. L'engloutissement final d'une aînée isolée, il perdu à jamais, enseveli sous les pilules avalées de trop, afin d'éviter un séjour en résidence. Ces petits-enfants que je connais s'en souviennent. J'en connais que nous connaissons encore, qui ont frôlé cette décision sans retour. Des âmes fripées, recousues, recollées. À chérir pour ce qu'elles nous sont restées. Ceux que l'on connaît. Et non ceux que l'on connaissait. Pour celle-là, une tente, un croissant de pleine lune, puis de l'obscurité totale. Ouais, ouais, ici, go! Quelques heures plus tard, à la nuit tombée. Bon, mais je pense qu'il est temps d'aller me coucher, moi, là. Fais dodo, petite bûche. Je te protégerai du méchant orignal. Épreuve numéro 4. Cherchez votre chemin dans la nuit. Oh non, je ne vois rien. Il y a de l'obscurité totale. Oh non. Où suis-je? Ah! J'aurais dû amener mes batteries à rechargement lunaire. Mais, Luce, t'es où, mon caporal en sucre? Oh! Je pense que j'ai trouvé notre tente. Ouf! J'étais sûr que je m'étais perdu. Mais, oh wow, Luce, t'es donc bien rendue douce. J'ai l'impression de flatter le chien à ta tante Carole. Tante Carole? Ah non, moi c'est Ours.
Ah! Ours! Qu'est-ce que tu fais dans notre tente? Et où, Luce? Tu l'as mangé! Ben voyons, je sais bien que j'ai pas pogné l'orignal, là. Je vais pas commencer à vous manger. Ben, et où, de bord? Ben, je sais pas, moi. Dans votre tente? Ah! Parce que je suis dans ta tente. Ah, mais là, il commence à faire tard. Hein. Si tu veux, tu peux dormir ici. Comment tu veux que je t'appelle? Ah, peu importe. Tant que tu m'effleures la marguerite. Dans la discipline musique, catégorie mixte, voici Joe Landry du Cégep de Sainte-Foy. Je m'appelle Joe Landry, j'ai 20 ans. Mon truc, c'est de jouer tous les instruments parce que j'adore composer la musique grandiose. Mais si j'avais engagé un orchestre, à toutes les fois que je voulais faire des versions Big Band génériques de La Petite Vie, ce serait un petit peu compliqué. Ce soir, je vous présente des arrangements de chansons québécoises plus une composition que j'ai conçue spécialement pour Cégep en spectacle, orchestrée pour 40 instruments, tous joués par moi tout seul dans mon sous-sol. Je vous présente un show rempli d'improvisation, de folie et d'hommage à plusieurs de mes héros de la culture québécoise. On commence avec Offenbach. We'll be right back.
j'étais une grosse liqueur. Je dis pourquoi de Pepsi? C'est pas que je m'appelle Julie, j'ai dit. Ah ouais, ah bon. Dans mon demande si c'était la première fois que je rencontrais une Julie aux cheveux noirs, j'ai dit la première fois à soir elle me dit. Julie c'est mieux pour les blondes, je trouve pas doute. Oh, 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 ma petite Julie, moi j'ai resté jeune toute ma vie. Dis-toi que j'suis un capaciapi. Viens m'en voir quand t'as 20 ans. Bada bada bim, t'es bap, 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 t'es bap. Aujourd'hui Julie a 20 ans. Elle est mariée depuis 2 ans. Avec un gosse Chicoutimi, j'vous dis qu'un mot du bel accent. J'ai dit, t'es-tu quoi? Elle a fait un de ses beaux cheveux. T'es en platine comme Marilyn. On s'est parlé une couple de fois au téléphone. C'est des belles femmes, mais on joue plus. T'en joue plus pantoute. Oh, 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 ma petite Julie. Moi, j'ai resté jeune, toi, t'as ma vie. Dis-toi que j'suis un gars patient. Viens me revoir quand t'auras 100 ans. Viens me revoir quand t'auras 100 ans. Merci. Attendez un peu, attendez un peu. Bon, un odeur de sapin, un banc avec dossier, puis laissez faire l'attente. Go! Au même moment, à la même nuit tombée, mais dans la bonne tombe. Il prend bien du temps à venir se coucher, lui-là. Pour que ça finisse, je peux pas garder tout ça pour moi toute seule. Épreuve numéro 5. Placoter pour passer le temps. Hey! Vu qu'on est juste entre nous pour une fois, on pourrait se dire des petits secrets de filles? OK, c'est correct. Pas besoin d'insister, je vais commencer. Bon, je voulais pas vraiment en parler, mais vu que le sujet est venu, je pense qu'il se passe quelque chose entre Junior et Ours. Ben voyons, Junior, c'est mon fiancé. Je te jure, là, je les ai vus. Hein? Ben non, il est ben trop fidèle. Je pense qu'ils se sont même embrassés. Quoi? Assieds-toi, on va en parler. Se sont embrassés sur la bouche. Ouais, sur la bouche, puis je pense qu'ils ont même mis la langue de même. Blablabla. Quoi? Voyons, Nina, c'est quoi ton problème? Je te jure sur mes plus beaux souliers que je dis la vérité. Puis en plus, là... Quoi? Ça se passera pas de même! Dans les disciplines chant et musique, catégorie création,
Voici Kate Klassen du Cégep Garneau. Orage après orage, tu t'affaisses. Face à ce cycle d'intempéries, tu t'affaiblis. Face à ces secousses, tu n'attends que le calme après la pluie. Tu doutes, tu crains, tu figes. Tu fanes, tu pleures, tu givres. Tu te recroquevilles face à tout ce que la nature t'inflige. Ton éclat devient usé, épuisé, tourmenté, demandé à gauche, à droite, en bas, en haut. Tu n'es plus capable de t'étirer. Tu es au bout du rouleau. Je ne te reconnais plus. Pourtant, la vie, c'est un cadeau. Et aujourd'hui n'est que le début. L'invincible vaincu, perdu dans ce labyrinthe sans issue. Tes repères disparus, ce n'est qu'une saison déjà vue. Regarde dans le miroir, écoute-moi bien. Tu peux y croire. Le soleil finit toujours par se lever derrière les nuages sur nos visages. Oh, oh. Apprends à danser sous tes pluies, à vivre tes folies. Il n'est pas encore minuit, non. N'est pas encore fini. Prends le temps, guéris. T'efface tes couleurs pour plaire. Dis-moi pourquoi faire. Tu gaspilles ton temps dévoré par demain. Ce tracas n'est que venin. Prisonnière de tes pensées, tu perds le contrôle. Alors pleure sur mon épaule. Lâche ton fou, laisse-toi aller. Laisse ton cœur te dévoiler.
enracine-toi, résiste à ces orages, grâce à tes pétales tenaces. Ouvre-toi dans toute ta splendeur, rayonne de toutes tes couleurs. Le soleil finit toujours par se lever derrière les nuages, sur nos visages. Alors apprends à danser sous tes pluies, à vivre tes folies. Il n'est pas encore minuit, et non. Oh, 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 oh. Ton histoire n'est pas encore finie. Prends le temps qui rit, un buisson double, la même odeur de sapin intense et... ah oui, c'est vrai. Un arbre qui tombe. Go! Tout de suite avant. Ça se passera pas de même. Épreuve numéro 6. Trianguler vos amours. Là, là, vous deux, j'en ai assez. Oust, ours, laisse-moi parler avec Junior. Mais voyons, mon soldat en sucre, qu'est-ce qui se passe? Sois pas méchante avec mon guide, notre guide. J'en ai assez de votre petit jeu. Vous étiez pas mal bizarre hier, dans sa tente. Je te rassure, Carole était pas là, finalement. Moi, là, je voulais venir ici pour que tu deviennes un homme. Je voulais pas que tu te trouves un homme. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu des cris. Est-ce qu'un arbre est tombé? Non, non. C'est juste moi puis Junior. Qui, je comprends. Je comprends. J'ai déjà vécu des choses comme ça, moi aussi. Ça va être important de prendre de grandes respirations et d'ouvrir vos cœurs. Luce? Avec ou sans eux, ta question? Avec. OK. Raconte-moi ce qui pèse sur ton esprit. C'est Juju, t'es amoureux d'un autre. Oh, vilain! Toi, Juju, t'en dis quoi? Les chances que je tombe amoureux d'un homme abordent la lourde inéquation des nombres premiers inverses. Luce avec un E. Tu trouves sûrement cette déclaration désagréable. Je vais aller chercher du bois pour nous réchauffer. Non, 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 non. Brûler du bois a 100% de chance de replonger ours dans son traumatisme d'enfance, puis... Tu me parles encore de lui? C'est beau, mes amis. Votre couple est en crise. Je suis tellement fière de vous. Hey, j'ai une idée. Vous devriez prendre une marche chacun de votre côté. Comme ça, ça rajouterait du drama. Puis du drama, c'est viral! Dans la discipline théâtre, catégorie création, voici Annabelle Lahaye du Centre d'études collégiales de Montmagny.
fois que le cœur s'arrête? Ça prend 48 heures avant que le cerveau s'éteigne. Qu'est-ce que je vais écrire sur mon épitaphe? D'ailleurs, c'est quoi une épitaphe? C'est la dernière chose que tu devrais savoir. C'est le dernier message qu'on laisse. C'est une date à mort. Et vous, qu'est-ce que vous allez écrire sur votre épitaphe? Si la seule chose que vous ayez faite de votre vie, c'est de rester assis. Trente heures. On accumule les chaises, ici, et on reste assis dessus, parce que on a peur de se dire que la vie, c'est juste un compte à rebours, c'est juste un compte à rebours. Vingt heures. Aujourd'hui, c'est le bal des finissants. J'ai donc été chez la coiffeuse et à ce moment-là, je lui ai dit « Allez, fais-moi quelque chose de vraiment parfait, 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 parfait! » Elle m'a dit « D'accord, mais ça va coûter un peu cher. » Je lui ai demandé « Combien? » Elle m'a dit « 200 $ « Bon, OK, c'est pas grave, de toute façon, j'ai l'argent pour. » Ensuite, je suis allée faire ma manucure. Et à ce moment-là, elle m'a dit « 200 $ « Bon, OK, c'est pas grave, hein, j'ai l'argent pour. » Et ensuite, je suis allée chercher la robe. Et les souliers! Et à ce moment-là, j'étais parfaite, parfaite! Mais je suis pas allée au bal. Parce que tous les jours, je me bats contre moi-même. Je me hais. Je me déteste. Je voudrais juste même. Je voudrais pleurer, rire, dire, sourire, je voudrais continuer, je voudrais arrêter, putain, te réveille, arrête de sonner! Je voudrais juste que chaque seconde qui me reste en ce moment cesse de se compter. Et la chaise qui se déteste. Elle est tellement compliquée. Mais c'est une chose. C'est qu'elle n'est pas capable de se regarder. Je suis pas capable de me regarder. Dix heures. Il y a trois phrases dans la vie qui sont difficiles à dire. Je suis désolée. J'avais tort et je t'aime. Et parce que j'avais peur de les dire, j'ai fugué. Et je me suis mis à tourner la clé dans la serrure de mon appartement en sachant qu'il n'y aura personne de l'autre côté et qu'il n'y aura jamais plus quelqu'un. Le soir de mon 18e anniversaire, je t'ai appelée. Tu tremblais. Je savais que t'avais les yeux rouges. Papa, je t'avais jamais aussi bien entendu. Papa, je t'avais jamais aussi bien vu. Papa, je t'avais jamais aussi bien compris. Puis si... Et si j'avais su que ça serait la dernière fois que j'allais t'appeler, je t'aurais dit, je suis désolée, je suis tellement désolée, j'avais tellement tort.
Je t'aime. Minutes. Ce soir-là, j'aurais jamais dû écouter ton avis. J'aurais dû me choisir. Ce soir-là, on m'a dit de rester dormir avec lui. Parce que c'est ce que font les mariés, non? Mais le mariage le plus difficile de notre vie, c'est celui où il faut se donner fidélité. J'aurais dû le faire parce que ça m'aurait permis de rester. Je veux juste qu'on se réveille encore ensemble demain. La cassette de ma vie ne peut plus continuer parce que la bombette de mon cœur va s'arrêter. Une minute avant la fin, j'ai plus rien pour exister. Je sais. Je sais ce que je vais écrire sur mon épitaphe. OK. Un feu de camp, pas de bois, pas de feu, pas de boucan, un bidon d'essence du dimanche et un coup de foudre bien placé. C'est bon? Go! À ce moment-ci, il ne leur reste qu'une seule chance pour survivre à Tête-Ferme. Comprendront-ils qu'ils doivent unir leurs forces? L'aube approche. Mourront-ils congelés? Épreuve numéro 7. Allumer un feu. Ça devrait même pas être une corvée, ramasser du bois. Ça devrait être naturel. C'est vrai, c'est tellement inhumain de brûler du bois. Ouais, ben moi je trouve ça sent bon, la boucane. Puis tu vas me dire que ça sent bon l'essence aussi? Parfois, le dimanche, après l'hymne national, ça sent bon la boucane. Puis l'essence. T'as entendu? Bon, une autre qui entend des voix. Ben non, quelle voix tu parles? Je parle du cri de cette branche séparée de sa maman ours. En tout cas, moi, j'en ai un talent, ben, plus un secret, là. Oh ouais? Je suis capable de lire dans les pensées. Ben, prouve-le. Pense à ton sel. Hey, comment t'as deviné? J'ai toujours voulu en parler à Junior. Ben moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui peut lire dans mes pensées. Je sais même que t'as un talent bien meilleur que le mien. Ben c'est vrai, là. Je suis capable de chanter la Reine des Neiges sans être connectée. Hey! Je pense que je sais comment nous sortir d'ici. Viens, on a besoin des gars. Dans la discipline musique,
Catégorie mixte. Voici Edgar Arrête du Cégep de Thetford. Thank you.
bûche frottée bien fort, deux sacs de couchage. Mais le coup de foudre, c'était tantôt, puis tu l'as raté. Débarrasse! Go! Dans l'épreuve précédente. Je sais même que tu as un talent bien meilleur que le mien. C'est vrai. Je suis capable de chanter la Reine des Neiges sans être connectée. Hey! Je pense savoir comment nous sortir d'ici. Viens, on a besoin des gars. Épreuve numéro 8. Géolocalisez vos positions. Ah! Même pas un petit peu de roche d'amiante pour nous réchauffer. Non, ça devrait être illégal de ramasser du bois. Puis déplacer des roches, ça devrait être criminel. C'est vrai qu'un arbricide doublé d'un rochicide a aucune chance de porter sa cause à la Cour suprême. Ça serait le temps de changer ça. Tu voudrais quoi? Qu'on change la tendance qui se maintient? Parfois, un dimanche matin, après l'hymne végétal, je traque l'orignal à l'éthanol de maïs. C'est bizarre. Pour la première fois de ma vie, j'ai une certitude. Laquelle? On est en train de dire n'importe quoi. Away, away, away! Lola, arrête de chercher du réseau puis ménage ta batterie. J'ai jamais descendu avant 2% avant. Je suis rendu en train d'entendre le langage statistique de la nature. Encore en train de vous tripoter, vous deux? Hey, coudonc, lâchez-vous ou mariez-vous. Mon petit service militaire obligatoire? Pas le temps de niaiser, là. Il y a une tempête qui arrive. Bon, Junior, sors-nous ta statistique sur le quatrième lien. Pendant ce temps-là, ours, va trouver l'antenne du figurant de l'épreuve numéro 3. Puis toi, Nina, pars YouTube Live. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Elle va s'en venir. Mais là, j'ai plus beaucoup de batterie. Qu'est-ce qu'on fait si mon sel meurt? C'est lui ou nous? Puis là, après, c'est quoi le plan? On fait comme les scouts, puis on change parce que quelqu'un vient nous chercher? Ouais, exactement. Tu rempires, Luc, avec un E. À partir de maintenant, là, vous m'appelez Luce. Pas de E. 56%! Oh non! Je passe pas! Comment j'ai autre secondaire 2? T'es rendue au cégep, ma belle. Ah, c'est vrai. Puis là, moi, je fais quoi? Tu frottes la bûche bien fort. Vous êtes prêts? Dans les disciplines art du cirque, danse et humour, catégorie création. Voici les pétocasques du cégep de Limoilou.
s'enfuit déjà. Oubliez les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Au cœur du bonheur, ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Moi, je t'offrirai. C'est maintenant le moment où nous invitons les 5 membres du jury à aller débattre entre eux afin de sélectionner les 2 numéros gagnants de ce soir. C'est aussi le moment où nos figurants devraient comprendre qu'ils n'ont plus aucun contact avec les animateurs. Votre présence n'est donc plus nécessaire sur scène. Pour nous, chers publics, nous comprendrons évidemment qu'il s'agit de l'entraide. Nous nous revoyons dans 15 minutes pour une partie hors concours qui promet d'être mémorable, voire historique. À tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là? C'est l'entraide. Allez-vous-en. Oh, oui, débarrasse. Oh, oui, va-t'en. Tout aussi. Dégagez. Moi, je voulais être comédienne à la base. Diable suis-je venu faire derrière tes barreaux? T'aimer est une galère qui ne cesse de prendre l'eau. Mais entre ciel et terre, je trouverai les mots. Les mots pour te plaire qui t'a y laissé ma peau. Tout le long de ce couloir, tu marches à contre-jour, pas le moindre regard.
Que diable suis-je venu faire derrière tes barreaux? T'aimer est une galère qui ne cesse de prendre l'eau. Mais entre ciel et terre, je trouverai les mots. Les mots pour te plaire qui t'aillent laisser ma peau. J'ai tant de choses à t'offrir. Des rêves à l'infini, des montagnes de rire. J'illuminerai tes nuits de mon plus beau sourire. Mon amour, tu verras que le meilleur sera à venir. Oui, c'est dit, promis, j'irai au bout, quel que soit le prix. Tant pis si je deviens fou, mais malgré tout, je préfère souffrir. Avec l'espoir de t'entendre un jour me dire que tu m'aimes. Que diable suis-je venu faire derrière tes barreaux? T'aimer est une galère qui ne cesse de prendre l'eau. Pas de quartier, fait clair comme en plein jour. Les étoiles pourraient exploser, qu'on en ferait encore le tour. C'est comme croiser un ange au milieu du trafic. C'est quoi la suite? C'est quoi les chances? C'est quoi ton genre de musique? On se connaît pas depuis longtemps, mais même ton ombre fait de la lumière. Pas de quartier, fait clair aux alentours. C'est quoi ton but? C'est quoi l'idée? C'est-tu toi le grand amour? On se connaît juste depuis cette nuit, mais y a pas d'étoiles sans univers. Veux-tu qu'on se voit demain aussi? Le monde est fou sans ta lumière. Veux-tu rester une autre nuit? Je serai ton ciel et toi ma terre.
tuer est plus facile à faire qu'à comprendre et tomber. Je n'ai pas pu te prendre un parti trop loin de toi et j'ai voulu te manquer à tes yeux fans d'exister. Et au sud de mes peines, j'ai volé loin de toi pour couvrir mon cœur d'une cirole plus noire que tous les regards lancés à mon écart. J'ai tenté de voler loin de toi. J'ai tenté de voler loin de toi. Facile à suivre dans la ville qui devint notre plus grande fuite. Et moi, étendu dans ce lit, je contemple ce que je t'ai donné de ma vie. Et au sud de mes peines, j'ai volé loin de toi pour couvrir mon cœur d'une cirole plus noire que tous les regards. J'ai tenté de voler loin de toi. J'ai tenté de voler loin de toi. Au pire moment, tu perds ta chance. Accroché sur la caméra, revis le thé. On dit où est-ce qu'on voudra, la ligne est fine. Si c'est pas toi, j'ai pas envie de personne. Si ça te tente, on peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne. J'essaye, je te jure, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur, peur, peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je peux faire la vie dure. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te voulu voir, on fait des plans que pour toi. Oh non, mais j'ai pas encore l'habitude. Facile d'être seule si t'es jamais manqué d'amour. Si tu te tasses, casse dès que ça dérape, puis tu veux partir à zéro. C'est pas grave, c'est fini, mets-toi là, j'irai pas faire le tour de l'île pour me faire crisser le cet hiver. Non, j'ai des mi-sommets. Sur le mur en chaîne de fusil pas le mal. Je pourrais m'y faire, c'est sûr. Mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur, peur, peur de te perdre. Mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime. Mais je veux pas faire la vie dure. Arrête, s'il faut se parler comme ça. Te voulu voir, on fait des plans que pour toi. Mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai pas encore l'habitude, non.
faisait sourire au premier rendez-vous. On croyait en l'avenir, en ce qui allait être nous. Mais tout a changé. Nos rires devenus des larmes, nos désirs devenus des drames. Il faut que ça s'arrête. Je reprends ces bouts. Parfois me déconnecter de ce qui m'empêche de voler. Elle veut dire quoi la vie qu'on mène? Je ne sais plus ce qui vaut la peine. I wonder if anyone will hear this. I wonder if I'll ever.
5000 pieds carrés. La grosse piole dans un quartier, flat comme le fond d'une bouteille, où les maisons sont toutes pareilles. Les symptômes prémensuels d'une faillite trop personnelle. Un set d'outdooring dans le salon, la pancarte avance sur le gazon. J'ai une ex-femme qui m'en veut, les enfants une semaine sur deux, puis un psy vraiment trop classe qui m'écoute, me plaint pour 100$, sûr que je ferai broyer personne, avec le spleen des pays riches, dans une ère qui distorsionne, c'est tout le monde qui a le bonheur qui criche.
pour maître de cérémoniser cette partie protocolaire. Allô! Bonsoir, bonsoir! Hey, mon talent est enfin reconnu! Je suis assez contente d'être ici. Merci, Édouard. En plus des bourses de 750 $ offertes par le RIASC et Desjardins, de nombreux autres prix vont être remis aux artistes participants à l'une ou l'autre des finales régionales. Permettez-nous maintenant de vous présenter ces fameux partenaires qui remettront des prix ce soir. Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec. Le Festival international de musique universitaire de Belfort en France. Village en chanson de Petite-Vallée. Ma première place des arts. Le Festival de musique émergente. DJIM, la convention. L'École nationale de la chanson. Et finalement, Télé-Québec, la fabrique culturelle. Et l'École de danse du Québec. Aussi. Aussi. Maintenant, passons à la nouveauté, une exclusivité à la région de Québec, le tout premier prix concours d'animation. Effectivement, dans chacun des 10 cégeps, les participants couraient la chance de gagner des prix. Mais malheureusement, pour les équipes d'animation qui faisaient autant preuve de créativité et d'engagement, ils n'avaient pas la chance d'être récompensé au moins un peu. Ainsi, ce nouveau projet a vu le jour. C'est une première en 45 ans de cégep en spectacle. C'est vraiment quelque chose, là! Hey! Je l'avoue. Donc, comment ça a fonctionné? C'est un jury de 3 personnes qui a sélectionné leur coup de cœur parmi les 10 captations vidéo des finales locales de la région de Bedford. De Québec. Région de Québec. Vous comprendrez que pour des raisons de logistique, toutes les équipes d'animation ne peuvent être présentes ce soir. Mais, comme ils peuvent tout de même regarder l'événement en direct, salut les animateurs. L'équipe gagnante recevra une bourse de 450 $. Alors, sans plus tarder, pour sa créativité, sa justesse de jeu et l'efficacité de son rythme, la première bourse coup de cœur d'animation est remise à l'équipe d'animation du cégep de l'Apocatière. Encore félicitations! Maïté, oui. Toi qui, dans une vie plutôt récente, as aussi eu la chance de côtoyer les animateurs de ce soir, où sont-ils maintenant? L'expérience Tedford tire à sa fin et comme tout le monde a pu le remarquer, ils ont échoué chacune des épreuves. Le comité organisateur tenait à s'excuser pour leur piètre performance à l'écran. Au moment où on se parle, ils sont probablement déjà morts et... Oh, oh! Excuse-moi, Maïté, mais on me souffle à l'oreille qu'ils seraient toujours en vie et qu'ils tenteraient de s'échapper grâce à un rituel chamano-virtuel propre aux arborigènes tedfordois. Moi, j'ai hâte de voir ça, en tout cas. Allons-y. Dans l'épreuve précédente. 56%! Oh non, je pense pas! Comment j'ai au secondaire 2? T'es rendue au cégep, ma belle. Ah oui, c'est vrai. Puis moi, je fais quoi? Flatte fort ta bûche. Vous êtes prêts? Épreuve terminale. Libérez-vous. OK, je flatte fort pendant qu'on crie du manji. Ben non, on est à tête ferme. Ça marchera pas. 1%! Adieu, monde réel! Je vais mourir avant d'atteindre mon milliardier. 56% plus 1, 1 à la 4, 4 égale 60%, on passe! Nina, ton YouTube Live fonctionne? Oui, mais il sera jamais diffusé! C'est pas grave, approche ton sel de la bûche pendant que Junior évoque un quatrième lien Starlink par rapport au routeur à charbon. Ça marche? 2%? 3%? Miracle statistique, vive les méthodes quantitatives! Hey, c'est sur le bord de faire de la boucane, mon affaire!
Toi, chauffe. Junior, soude le sel à Nina sur la bûche. Good. Nina, c'est ton 15 minutes de gloire. T'es prête? Pars la trame live sur ton sel. T'es certaine? Oui. Fais comme si t'étais pas connectée. OK. Pour une finale, au fond de la nuit, je serai reine à mon tour. Au fond de ma solitude, je vais trouver mon amour. Le feu qui brûle en toi sera bientôt éteint. Car moi j'ai Junior, mon statisticien. Va-t-on pouvoir quitter l'endroit, mais l'équation du calcul servira à sauver la glousse et son plan. Voici mon plan, libérer, délivrer, nous quitterons cette fleur d'à jamais, libérer, délivrer, c'est ici. Maintenant, nous invitons tous les participants de ce soir à venir nous rejoindre sur scène. D'abord, Notre-Dame de foi. Apocatière. Lévi. Cinq fois. D'Arnaud. Montmagny. Cette bird. Et finalement, Limoilou. Donc, une dernière fois, je voudrais un beau tonnerre d'applaudissements pour tous les beaux artistes et le beau talent qu'on a eu ce soir! Mesdames et messieurs, la finale régionale de Cégep en spectacle 2024. Les partenaires du RIAS qui remettent des prix aux finalistes régionaux se sont basés sur les captations vidéo des finales locales pour sélectionner leurs récipiendaires. Ce soir, un prix régional sera remis parmi le beau monde qu'il y a derrière moi. Donc, c'est pour ça que pour remettre ce prix, je vais maintenant inviter sur scène Mme Pascale Julien, représentante déléguée du RIASC. Bonsoir! Hey, wow, quelle belle finale! J'en reviens toujours pas. Je suis là pour présenter le prix du Festival international, Festival international de la chanson de Granby. Alors, le prix est remis à Kate Klassen du Cégep Garneau.
Nous voici maintenant à la partie que tout le monde attendait, la fin de la soirée. Afin de dévoiler les résultats de ce soir, nous invitons maintenant les membres du jury. D'abord, Adam Grondin, artiste du cirque. Madame Geneviève Moret, pianiste et directrice musicale du Grand Orchestre de Thetford. Monsieur Joachim Julien, danseur. Serge Maheu, batteur. Et finalement, Yann Tanguay, réalisateur, metteur en scène, conseiller à la scénarisation, scénariste, auteur et acteur. Bonsoir. Alors, on s'excuse, ça a été un petit peu long. On ne s'entendait pas tous. Ça a été extrêmement serré. Vraiment, bravo, beau show. On vous a trouvé tous extraordinaires. Il fallait trouver deux personnes, mais vous êtes tous gagnants, pour vrai. On a très hâte de vous parler après. On a plein de choses à vous dire. On a passé une très belle soirée. Voilà. Non, mais pour le dire, ce n'est pas une tâche facile. Hein? Il y a de l'argent en jeu. On prend ça très au sérieux. Alors, OK. Alors, pour sa mise en scène, sa voix sublime et sa sensibilité, l'artiste ou le collectif artistique invité à représenter la région de Québec à la finale nationale et à qui l'on remet une bourse de 750 $ offerte par le RIASC est Kate Glasson. Maintenant. Ah ouais, continue, t'as commencé, continue. Alors, pour sa polyvalence, sa créativité et son énergie, l'artiste ou le collectif artistique invité à représenter la région de Québec à la finale nationale et à qui l'on remet une bourse de 750 $ offerte par Desjardins est Joe Landry. Pendant la photo, on vous remercie d'être venu à Cégep en spectacle 2024. Et félicitations encore à tous les participants. Et vous êtes déplacés. Bonne soirée, prenez soin de bien rentrer chez vous. Au revoir. Je suis contente, je suis revenue dans le
check, check. Merci encore tout le monde d'avoir été là. Pour les parents et amis seulement, seulement à attendre, on va vous diriger vers l'endroit pour aller voir les participants pour les parents et amis seulement. Donc, venez me voir, je vais vous expliquer comment ça va marcher. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci!